L'Orchestre baroque de la Roya est un ensemble de musique ancienne spécialisé dans la musique baroque, notamment dans la musique baroque du nord de l'Italie, du sud de la France, qui s'est défini comme un projet transfrontalier, puisque nous sommes à la recherche d'aller jouer avec des musiciens italiens et des musiciens du côté français, avec un noyau de musiciens qui en a un lien étroit avec la vallée de la Roya. Nous sommes tous en lien par le fait que nous pratiquons la musique historiquement informée. C'est-à-dire que nous cherchons à vraiment interpréter la musique de cette époque telle qu'elle était jouée. Et c'est ce lien qui est très intéressant avec le patrimoine. Et donc créer, mettre en reflet la musique que l'on joue avec l'architecture qui nous entoure, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Ce qu'on essaye maintenant avec cet orchestre, c'est vraiment faire quelque chose de plus humble et qui correspond plus à notre époque, c'est-à-dire vraiment s'ancrer un territoire et faire des démarches, prendre des engagements écologiques et essayer de jouer avec les gens qui sont ici, pour les gens qui sont ici. Soin d'apporter toute cette connaissance, toute cette expérience que j'ai pu avoir dans la musique, l'amener dans la vallée, de rapprocher les gens voilà, au côté musical, à découvrir ce côté musical que peut-être pas tout le monde connaît, qu'on peut explorer ensemble. Que je trouve très important en fait avec le lien de ces musiciens qui viennent d'ailleurs, les musiciens qui viennent d'ici, c'est vraiment pouvoir travailler sur cet échange, ces connaissances musicales que l'on peut partager. Ça a toujours été comme ça dans la Roya, des gens qui viennent d'ailleurs, qui rencontrent les gens d'ici, qui s'échangent, qui parlent de savoir-faire et ça c'est vraiment très important dans un projet musical. Notre but avec cet orchestre est de proposer aux habitants de la vallée des concerts tout au long de l'année de musique baroque avec le lien du patrimoine et de l'architecture parce que ce patrimoine est vraiment la définition pure du baroque et donc forcément avoir un orchestre baroque dans la vallée de la Roya était quelque chose d'évident pour nous.